comment ça va, Alexandra? Mais très bien, et vous tous? Bah oui, on est très contents. Alexandra, je vous présente Joël Dicker, qui est avec nous aujourd'hui et qui voulait nous parler du lien entre la cuisine et la libido. Complètement. Mais avant de vous en parler, Daphné, j'avais envie de poser la question, en fait, à tout un chacun, aux hommes et aux femmes qu'on a croisés dans la rue, et de se dire quels aliments à consommer ou à éviter pour booster sa libido et du coup s'assurer une jolie deuxième partie de soirée un peu coquine, quoi. Donc on écoute. Selon ma grand-mère, le gingembre. Apparemment la menthe. Alors pour moi, le chocolat. Ah, j'allais dire la même chose. Une fraise peut-être. Les plats à base de saucisse. La nourriture épicée. Ah, moi je peux pas. Le Nutella, c'est pas mal. Italien, j'ai un souci avec les Italiens, c'est trop bon. La nourriture. Quels aliments on évite pendant un date si on veut conclure après? Je dirais les spaghettis pour éviter le... Le fromage. Ah, grave. Les fines herbes pour éviter les trucs entre les dents. Si on a une salade entre les dents, ça le fait pas quand même. Tout ce qui est à base de poisson, non. Et l'ail, pour éviter de puer de la gueule. Ça laisse une odeur en bouche, j'ai l'impression, par rapport à d'autres aliments. Et peut-être le chou aussi, parce que ça fait péter. Dans notre région, on mange couscous Kayla. Tue l'amour 100%. Hein. Déjà, tout ce qui est oignon, enfin tout ce qui va sentir, quoi. Ouais, à la tout fin. Ce qu'ils ont de la bouche. Mmh. Surtout prendre un chewing-gum. Il faut toujours en avoir sur soi. Eh ben. Ça m'a donné envie de faire l'amour. Ça m'a donné chaud. Donc, alors, si je vous suis voyez, bien... Donc, vous voyez, il y a du vécu. Ce qu'il y a dans notre assiette influencerait notre libido. Exactement. Et donc, on l'a pu le voir dans les témoignages, un lien direct et bien connu est là. Alors, c'est vrai qu'en fonction, quelque part, de notre sensibilité digestive ou olfactive, on va être plus ou moins réactif. Je pense par exemple à l'ail qui peut incommoder certains au niveau de l'odeur, ou au contraire les choux, les haricots qui peuvent amener des gaz. Tous ces petits éléments-là peuvent un petit peu cacher de la magie, de l'étreinte et du coup nuire à notre libido. Alors maintenant, ce qui est moins connu, là c'est plutôt tout ce qui est trop en fait, ce qu'on va consommer en trop. Donc le premier, c'est effectivement la quantité. Si on mange trop, là l'effet va être immédiat. Donc, on va se sentir ballonné, on va avoir une perte d'énergie. Ça ne nous encouragera pas à l'étreindre. Et puis après, il y a aussi le trop de sucre et trop de gras. Alors là, ce n'est pas spécialement l'effet direct dont il faut se méfier, mais c'est plutôt à la longue. C'est-à-dire que si on a une alimentation avec beaucoup de sucre et beaucoup de gras, à ce moment-là, ça nuit à notre sexualité, à toute la mécanique sexuelle. En d'autres termes, en fait, ça risque de provoquer des problèmes d'érection. Donc, c'est la cata. Donc voilà, je ne peux qu'insister pour dire qu'une alimentation saine, équilibrée et sans excès est bon non seulement pour notre santé, ça on le sait bien, mais aussi pour notre santé sexuelle et pour notre libido. Il faudrait rajouter manger 5 fruits et légumes pour votre libido par jour, ce serait bien. Parce que trop de gras et trop de sucre, ça encrasse les artères. Ça fonctionne mal. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette pour favoriser cette association positive lors d'une soirée en amoureux? Voilà, alors on va parler plus positivement, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faciliter? Alors les plus connus, évidemment, sont les aphrodisiaques. Maintenant, d'un point de vue purement scientifique, en fait, on manque de preuves empiriques. C'est-à-dire qu'il faudrait, en gros, en manger en trop grande quantité pour avoir un effet bénéfique sur notre libido. Donc, en fait, on serait plus malade que d'en avoir envie. Mais par contre, ce n'est pas que je suis contre le fait d'utiliser des aphrodisiaques. Parce qu'en fait, si vous en mettez un connu, comme par exemple le gingembre, à ce moment-là, ça induit un peu ce qui va suivre. Vous voyez, c'est comme si ça nous faisait déjà fantasmer un petit avant-goût sur ce qui va se passer. C'est un petit clin d'œil pour dire « Hé, hé, ce soir, ça peut être un petit peu coquin ». Et donc, ce n'est pas plus mal. Donc, je trouve que mettre des aphrodisiaques, c'est intéressant. Après, un autre conseil qui peut être bien, c'est beaucoup de variété. La variété dans l'assiette, vraiment pour aller stimuler les sens. Donc, on va mettre beaucoup de couleurs, on va mettre aussi des textures différentes, croquantes, moelleux, chaud, froid, sucré, salé, tout ça en fait va attirer notre attention vers les sens. Et notre attention sensorielle est terriblement importante. D'ailleurs, j'en parle souvent dans l'émission, c'est vraiment une porte d'entrée au désir sexuel. Mais après, j'ai un ingrédient, l'ingrédient à mettre au menu. Alors, ça ne se mange pas, mais il faut vraiment consommer sans modération. C'est en fait la complicité. Parce que si on veut que ça puisse s'amuser
après au lit, eh bien, ben, il faut déjà passer un bon moment, du rire, de la légèreté. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis aussi, ben, si on nous a toujours appris que jouer avec la nourriture à table, c'était pas bien, je pense qu'on peut de temps en temps faire des petites exceptions au lit et en amenant un petit peu de ces goûts sucrés ou salés dans notre lit. Donc, par exemple, hein, vous voulez un petit exemple, hein? Je crois qu'on veut un exemple. André, on avait une image où il y avait une tartiflette sur le torche. Je pense que c'est pas la bonne idée, mais alors, donnez-nous un exemple. La petite fraise. Eh ben, par exemple, une sucette. Alors, l'avantage de la sucette, c'est qu'en fait, on peut jouer avec et quelque part montrer, donner un petit avant-goût de ce qu'on prépare à l'autre, qu'on va faire à l'autre en dessous de sa ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, par exemple, on ne peut pas râper des carottes dans la chambre. D'accord. Bien. Alors, ça peut aussi être, je ne sais pas moi, mettre de la glace sur le torse de notre partenaire et puis de venir le réchauffer à coups de langue. Ça peut être intéressant. André, vous avez parlé des fraises aussi. Fraises, framboises, c'est tout des fruits qu'on peut vraiment faire, caresser le corps du partenaire avec. Et donc, on aura le côté un petit peu écrasé, des goûts mélangés. C'est, voilà, c'est pour multiplier les plaisirs. Caroline est en train de se dire, mais mon draous dans tout ça. Exactement. Je la connais tellement. Je l'ai vue. Mais je l'ai vue. Dit, mais attendez, moi, ça m'enlève l'envie de faire l'amour si je dois changer tout après. Ah non, bah oui, je suis comme ça. Non, mais c'est très amusant. Merci Alexandra, merci beaucoup. Mais elle est là pour nous stimuler surtout, voilà, à tous les niveaux, sur tous les plans. Amusez-vous surtout, je vous en prie.